Sur la piste, la jeunesse à côté avec William the Conqueror's Fort, devant la jeunesse avec Sandra Auffarth et toute l'expérience du numéro 2 mondial, Andrew Nicholson avec Dereo, qui est en ce moment dans le guet. Land Rover qui aborde maintenant le Socus, Andrew Nicholson, Dereo. Le score de Harry Made avec Wycombe, 82,7 au total pour le Britannique. C'est la fin dans quelques minutes de ces Jeux équestriens, du cross en tout cas, du cross, de ces Jeux équestriens de Lyon 2014. Solidité défend Il est pour un podium possible pour lui, il y a 30 individuels, il y a 45 points d'intérêt. Les agents sont censés pour l'instant bien de il est en tête avec 50 points de toutes les possibilités, tous les joueurs. Voici ce qu'on va sur le magnifique obstacle avec Château de Guillaume de Ferrand. Le fossé est bouclier de l'Irlande. Allemande. Sandra Auffarth. Just done a lovely passage through William the Conqueror's Fort, fence number 11, which is quite a difficult fence, but it's ridden quite well into this fence. Over fence number 12 there. And William Wilson is going well, he's here up to fence number 20. Et le jeune cavalier suisse, Félix Foch, qui termine son parcours et que vous applaudissez. Allez! Et pendant ce temps, Sandra Auffarth qui arrive sur le deuxième guet, Land Rover, on en prend plein les yeux. Magnifique passage ici dans l'eau. Voilà, le son de plus de Land Rover. Pour la championne olympique de Sandra Auffarth, avec le jeune français, Opgun Louvo. Du concours et de l'équitation. Elle a gagné. Ça se joue entre les deux là. Il y a quand même le podium individuel qui est en train de se jouer. Il faut bien avoir conscience de cela. Même si, bien sûr, c'est la magie qu'on comprend qui se jouera encore demain. Mais là, on a deux prétendants au titre suprême en individuel. That was a lovely cross-country course there. Dans l'après-midi, plus les chevaux faisaient des beaux parcours et terminaient sans encombre. On reste concentré jusqu'au bout. Et vous qui êtes encore sur le parcours, à chaque fois qu'il passe un obstacle, saluez comme il se doit. La performance exceptionnelle que l'on va faire Sandra Auffarth pour la barre et Opgun Louvo. Sandra Auffarth, Opgun Louvo for Germany, clear over the Asimodo fence 26-27. She's also clear over 28 Sawmill. Coming out towards King of Fence and of course the Rolex Bishop Que de belles images pour clôturer ce cross, cette journée qu'on va faire les temps. Pour ces Jeux d'équitation mondiaux à Bibliothèque 2014. En Normandie, et c'est la Normandie qui est en train de réaliser une très belle performance à Normandie. Et ici, avec ce couple, Sandra Auffarth, tout un tracé, Opgun Louvo, comment est-elle dans le kilomètre et là, Elle passe à la deuxième place au classement individuel. Sandra Auffarth, now the over the with some fragile bits on it. All these safety devices added to the cross-country course. Line to brake and that stops horses doing rotational form. Now, Opgun Louvo confidently down the Toro Company at least 6 rocks. Up to the two logs across the road, jumped them very nicely through the water and away to the Bedback Silver Birch at Oxford, where the pins have just been replaced. And they fish over the fisherman's stream. He really did that. Jumping over, jumping over, rock and corner.